rendez-vous exceptionnel. On va recevoir un invité de marche. L'école de football dans le Cameroun est née en quelle année? Ça fait donc 31 ans aujourd'hui. 31 ans, c'est pas rien. Parce que dans ce genre d'aventure, il faut pouvoir durer. C'est ce qu'on fait depuis 31 ans, c'est de leur savoir former les jeunes footballeurs qui demain porteront dignement des couleurs multidimensionnelles, tout simplement deviendront des hommes, des footballeurs ou non. On est là aujourd'hui pour un événement exceptionnel. Et on vous a parlé d'un invité exceptionnel. On va donc recevoir quelqu'un qui a porté ce maillot. Et il n'a pas simplement porté ce maillot en passant. Il a porté ce maillot et il a laissé des souvenirs. Il a laissé des images que personne ne peut oublier. Et applaudissez juste à ce qu'il y a. Bienvenue à Douala, Pierre. Merci. Je viens pas jusqu'à de l'autre côté. Ça veut dire que on a beaucoup à vivre. Beaucoup. Et j'espère que les autres petits jeunes aussi vont entendre. C'est un plaisir d'être là. Partager ce moment avec vous. Ce plaisir. Ça faisait très très longtemps, beaucoup d'années sont passées, mais lorsqu'on revient là, on a toujours l'impression d'être un gamin, puisque nous avons grandi comme des gamins d'aujourd'hui, quoi. Avant, on ne jouait pas sur la pelouse, il n'y avait pas tout ce que je vois aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on a progressé énormément. Mon ressenti, c'est qu'ils sont à l'écoute, parce que nous, à l'époque, on était à l'écoute sans l'être. La grâce a voulu que les encadrés nous ont recadrés. Mais je pense que là, ils sont vraiment à l'écoute. C'est le plus important. En gros, c'est d'écouter déjà les éducateurs qui sont en place. Parce qu'on ne se retrouve pas là par hasard. Et je pense qu'ils ont bien. Ils prennent conscience de jour en jour quand même. Parce que quand on les entend parler, ils prennent conscience de jour en jour. Maintenant, j'espère qu'ils vont persévérer pour pouvoir y arriver. Arriver à être professionnels, arriver à faire plus que nous. Je crois qu'ils sont sur la bonne voie. J'étais gamin hier. C'est un plaisir pour moi. Et je viendrai tout le temps lorsqu'on m'appelait là. Parce que je suis au Cameroun aujourd'hui. Et je pense que Yaoundé n'est pas à l'autre bout du monde, donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Quand je revois M. Tchakouna, quand je revois M. Ndiaye Marous, c'est des souvenirs et des souvenirs que j'en ai avec beaucoup d'humeur. Quoi. C'est avec beaucoup de joie que je reviens dans cette école. Comme vous le dites bien, nous avons essayé de bâtir quelque chose d'important et c'est avec beaucoup de joie que je vois que ça continue. J'imagine dans le même esprit que nous avons bâti il y a plus de deux décennies. Il faut dire que entre les années 2000 où nous étions à l'école de foot, le cadre n'était pas le même. Nous faisions deux stages blancs au mois de mars entre juillet et août. Ce qui fait qu'on était pressé par le temps. Mais aujourd'hui, on constate que les gars sont internés, sport et études, ce que nous ne faisions pas. Donc je trouve l'ambiance très chaleureuse, les gars sont gays. Et le cadre est agréable, c'est beau et c'est bien. Mais le message habituel, c'est déjà le message de travail. Il faut qu'ils s'investissent, qu'ils sachent là où ils vont. Mais ils sont à l'école de foot, les encadreurs sont là pour les accompagner. Mais le vrai travail émane d'eux. Il faut qu'ils s'investissent, qu'ils regardent dans la bonne direction et qu'ils ne soient pas obligés de s'éparpiller comme les autres. Et que le rêve ne soit pas très tôt. En réalité, c'est chacun qui doit pouvoir bâtir son chemin pour ici. Et surtout, j'insiste sur la discipline. Parce que si nous avons bâti une certaine renommée l'école de foot, c'est parce que la discipline était de règle. C'est un plaisir pour moi de partager avec une grande légende des stars comme Wemelen. Et on a beaucoup apprécié son palmarès. Et nous-mêmes, nous souhaitons qu'un jour le Seigneur va nous aider à arriver là. Ce genre de causerie pour nous, c'est très éducatif et ça nous permet de savoir tout ce qu'il nous faut pour arriver au niveau. Et d'apprendre des erreurs et des gestes que nos grands frères ont fournis pour arriver là où ils sont. C'est une idée naturelle. Une académie comme la nôtre qui a formé autant de gloires de football ne peut pas ne pas profiter de ces gloires-là, profiter de leur présence au pays pour que ces légendes-là viennent parler à leurs jeunes petits frères, hein, de leur carrière, de leur formation. Et
naturellement leur donner des conseils pour leur formation et leur carrière à eux aussi. Le choix de Pierre Omé, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une véritable légende qui a fait une très 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 grande carrière, que ce soit en club ou en équipe nationale. Quand je dis équipe nationale, en parlant, on ne voit pas le S, mais c'est avec S, parce qu'il a fait plusieurs groupes dans les équipes nationales. Et en plus d'être cette légende-là, il est aujourd'hui le président d'un des plus grands clubs du Cameroun, hein, le Canon Sportif de Yaoundé. Donc, pour nous, c'était tout légitime de commencer par une pointure comme lui. Pierre est là de niveau. L'Académie des Brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.